Bonjour, aujourd'hui on va faire une révision de la forme négative. La forme négative, c'est quand on dit non. Et là aujourd'hui on va voir seulement lorsqu'on utilise ne pas. Donc encore une fois, quand on dit que quelque chose est à la forme négative, ça veut dire que la phrase dit non. Je vais commencer avec un premier exemple. Papa regarde le film. Si je veux dire non, qu'il ne fait pas cette action-là, je dirais papa ne regarde pas le film. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, lorsqu'on a le verbe regarde, ici aussi, le verbe regarde, avant le verbe, j'ai mis ne, et après le verbe, j'ai mis pas. Papa regarde le film, papa ne regarde pas le film. Un deuxième exemple. Maman coupe les légumes. Alors, on va voir ici que le verbe c'est coupe. C'est le verbe couper. Alors, si moi je veux dire non, elle ne fait pas cette action-là, je dirais maman ne coupe pas les légumes. Alors, le verbe coupe est là. Avant le verbe, j'ai mis ne. Et après le verbe, j'ai mis pas. Un troisième exemple. Marie est malade. Sont gentilles. Maintenant, je veux dire que non. Alors, où est le verbe? C'est son. C'est le verbe être, son. Donc, je vais dire Marie et Mala ne sont pas gentilles. Donc, ici, le verbe est là, son. Avant le verbe, j'ai mis ne. Après le verbe, j'ai mis pas. Marie et Mala sont gentilles. Marie et Mala ne sont pas gentilles. 4. Nous parlons fort. Nous parlons fort. C'est le verbe parler, parlons. Donc, je dirais, nous ne parlons pas fort. Donc, ici, on a le verbe, parlons. Avant le verbe, j'ai mis ne. Après le verbe, j'ai mis pas. Nous parlons fort, nous ne parlons pas fort. Je vais relire les phrases. Numéro 1. Papa regarde le film. Papa ne regarde pas le film. 2. Maman coupe les légumes. Maman ne coupe pas les légumes. 3. Marie et Mala sont gentilles. Marie et Mala ne sont pas gentilles. 4. Nous parlons fort. Nous ne parlons pas fort. Très bien. Maintenant, tu vas relire ces phrases-là et les copier dans ton cahier comme exemple. Et maintenant, je vais te donner un devoir. Je commence. Ça, c'est le devoir. Numéro 1.
Vous marchez vite. 2. Tu chantes mal. 3. Les enfants vont à l'école. Très bien. Tu poses la vidéo, tu copies les questions, tu travailles. Après, quand tu as terminé, là, tu vas remettre la vidéo et tu vas regarder la correction. Alors, maintenant, on va voir la correction. Numéro 1, vous marchez vite. Le verbe est là, marcher. Vous ne marchez pas vite. J'espère que tu as bien fait. Si tu as bien fait, tu mets un tic. 2. Tu chantes mal. Le verbe est ici, chante. Tu ne chantes pas mal. Tu mets un tic. 3. Les enfants vont à l'école. Le verbe est ici. Les enfants ne vont pas à l'école. Si c'est bon, je mets un tic. Alors, je relis les phrases pour toi. Numéro 1, vous marchez vite, vous ne marchez pas vite. 2, tu chantes mal, tu ne chantes pas mal. 3, les enfants vont à l'école, les enfants ne vont pas à l'école. Voilà, je te dis au revoir et je te vois dans la prochaine vidéo, toujours sur la forme négative. Bye bye!